Et bonjour à tous, ici Bradani, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Valheim pour une toute petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment augmenter le niveau de votre bonus confort afin d'augmenter le temps du bonus en forme. Donc vous pouvez voir en haut à droite ma liste d'effets actifs des bonus. Le repos qui est le repos, le confort qui est au niveau 14, et du coup mon bonus en forme qui dure 21 minutes. C'est énorme. Surtout que c'est, je rappelle, c'est le bonus en forme, il est très très important, hein, puisque voilà, repos, non pas repos, en forme, 50% de régénération de vie et plus 100% de régénération d'endurance pendant 21 minutes, et il y a sûrement moyen d'aller encore plus loin. Donc je sais pas jusqu'où ça peut aller, mais à mon avis il y a encore de la marge. Je suis encore loin d'être au maximum. Alors, comment faire pour augmenter le confort? Eh bien, il faut tout simplement faire du housing, c'est-à-dire décorer votre maison. En fait, il y a des objets. Quand vous les placez, ça va, ces objets vont augmenter le bonus de confort. Alors, ces objets ont une certaine zone de limite, il faut se tenir à côté d'eux pour bénéficier du bonus de confort. Vous voyez, si je m'éloigne un petit peu, voilà, mon confort il est à 11, 9, il descend, là je suis à 5, et là il a disparu. Tout simplement parce que je suis trop loin des objets. Il me donne le bonus. Alors maintenant, quels sont ces objets et comment ça marche? Eh ben je les ai pas tous trouvés, hein, mais je vais déjà vous dire ceux qui m'apportent des bonus. Donc pour commencer, le feu. Le grand feu au milieu qui est, voilà, si je prends mon marteau, le foyer. Voilà, où il faut de la pierre avec le tailleur de pierre. Donc le foyer apporte du confort, le lit aussi apporte du confort. D'ailleurs, ça marche également sur les étages. Par exemple, mon lit, en fait, il se trouve ici au-dessus. Et sa zone, elle m'atteint encore jusqu'ici. C'est pour ça que je suis à 14. Je vais vous montrer. Voilà. Mon lit qui se trouve ici. D'ailleurs, je vais vous crafter un lit. Voilà, je vais me mettre ici. Donc là, le confort, on est à 13. Alors, je prends mon marteau. Voilà, je vais dans les meubles. Je prends mon lit. Je le pose. Je range mon marteau. Et hop, le confort est à 14. Parce que voilà, ici je n'étais plus dans la zone de mon lit qui se trouvait à l'étage. Donc vous voyez bien, en craftant un autre lit, le confort qui augmente. Alors ça ne se cumule pas. Si vous craftez 50 lits, ça ne va pas augmenter votre confort. C'est un seul lit, c'est fini, voilà. Si vous craftez un deuxième lit, ça va pas. Bah, je vais vous montrer. Il manque. Ah, j'ai plus de bois. Chercher du bois. Voilà. De bois. Hop, voilà, je pose un autre lit. Mon confort, il est toujours à 14. Je l'ai détruit. Ah oui, aussi petite chose. Lorsque vous tenez le marteau en main, que vous êtes en mode construction et que vous placez certains objets, ça fait bugger le confort. Par exemple, vous voyez là, j'ai sélectionné le tapis de Lox, et vous voyez que mon bonus de confort, il est à 12. Maintenant, je range mon marteau, je ne bouge pas, hein, je range juste mon marteau. Hop, mon confort est à 13. Je reprends mon marteau. Hop, mon confort, il est passé à 12. Et si je prends par exemple, voilà, tapis de serre, alors est-ce que je suis toujours à 12? Normalement, oui. Alors, le lit, est-ce que le lit ça change quelque chose?
Vous voyez là avec le lit, je suis à 13. Et maintenant, si je mets par exemple un coffre, je suis toujours à 13. Et si je reprends le tapis, hop, je redescends à 12. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que le tapis? Si je prends le bras 0, ah là, si je prends le bras 0, vous voyez, mon confort il est à 10. Donc, voilà, tenir le marteau dans vos mains. Ça fait bugger le confort, donc rangez bien votre marteau pour avoir la vraie valeur du confort. Donc, ça marche avec le feu, ça marche avec le lit, ça marche aussi avec les tapis. Voilà, les tapis. D'ailleurs, les différents tapis, ça marche. Par exemple, un seul tapis de Lox, ça va vous augmenter. Et si vous mettez un tapis de serre, ça va vous augmenter aussi. Voilà, je vous le prouve. Là, le confort, on est au niveau 14. Je vais casser... la peau de serre. Je range mon marteau. Et là, vous voyez, le confort, il est à 13. Parce qu'il n'y a plus le tapis de serre. Donc, je vais le remettre. Je vais remettre mon tapis. En peau de serre, en peau de caribou. Voilà, je range mon marteau. Et le confort qui est à 14. Voilà, ça marche. Donc ça marche aussi pour le trône. Vous voyez, je suis à côté du trône. Mon confort est à 13. Je vais le casser. Mon confort est descendu à 10. Le trône, il donne beaucoup de confort. Et j'ai... Oui, mon marteau, il est bien rangé. Donc, je remets mon trône. Voilà. Alors, vous voyez que mon confort est passé à 11, mais j'ai le marteau d'équipé. Ça bug. Voilà, je range mon marteau, et paf, je passe à 13. Alors, j'ai pas l'impression que ça marche pour les trophées. Je dis peut-être une bêtise, mais pour les trophées, j'ai pas vérifié, je sais pas si ça marche. Par contre, pour les bannières, voilà, les bannières, ça marche. D'ailleurs, je vais les enlever, vous allez voir. Hop. Fais attention à ne pas casser le plafond. Voilà, je casse toutes mes bannières. Je range mon marteau. Et mon confort, voilà, il est descendu à 13. Je ne suis plus à 14. Hop. Et je remets une bannière. À cette bannière-là, il me faut du charbon. Voilà, je remets une bannière. Et voilà, on est repassé en confort à 14. Alors par contre, les bannières, c'est pas comme les tapis. Hein. Différentes bannières, ça va pas augmenter le confort. C'est pour ça qu'il y avait une bannière noire, en fait. Donc, est-ce que j'ai du charbon? Ah, j'ai détruit la bannière, j'ai pas récupéré le charbon. C'est un bug, ça aussi? Normalement, on récupère toutes les ressources, non? Je récupère pas le charbon. On va prendre un peu de charbon. Hop. Il m'en fallait bien deux. Non, il va 4. Il m'en faut 4. Voilà. 4 charbons. Je redescends. On va poser la bannière, donc une bannière d'une autre couleur. La bannière noire. Voilà, juste à côté. Et donc, vous voyez bien mon confort qui reste toujours à 14. Donc, changer la couleur de la bannière, ça n'influence pas. Ça compte toujours comme une seule bannière. Par contre, pour les tapis, ça marche. Hein. Tapis de serre, tapis de lox, les deux se cumulent. On va casser ça. Hop. Alors, il y a aussi, ça marche pour le... le brasier suspendu. Alors le brasier suspendu, alors attention, il fait beaucoup de fumée. C'est mieux de le mettre à l'extérieur ou alors genre tout en haut de votre cheminée, parce que le truc, mais ça pompe, ça fait de la fumée à une vitesse incroyable. Donc je vais vous montrer où est-ce que moi je l'ai mis.
Voilà, j'ai cassé ça. Est-ce qu'on le voit bien d'ici? Voilà mon brasier suspendu. Je l'ai mis là-dedans. Dans ma cheminée. Voilà, juste au sommet. Pour ne pas avoir toute la fumée. Et donc, ça marche aussi. Ce brasier donne un point, petit point de confort. Alors, je remets mes murs. Mais donc voilà comment faire pour monter votre bonus de confort et ainsi obtenir du temps avec le bonus de la forme. Donc là, je suis pour l'instant à 21 minutes. Il y a sûrement, je suis sûr, il y a encore d'autres crafts. Il y en a encore plein que j'ai pas montré, parce que je ne sais pas forcément c'est lesquels. Et il y aura sûrement encore d'autres meubles à débloquer plus tard. Et donc voilà, c'est jouer un petit peu avec votre maison, décorez-la. Comme ça, vous faites monter votre niveau de confort et vous obtenez ainsi un très bon temps sur votre bonus de forme. Voilà, pendant 21 minutes pour le confort au niveau 14. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, d'ailleurs dans les commentaires, n'hésitez pas à dire quels sont les objets que vous avez trouvés et qui améliorent le bonus de confort. Voilà, comme ça on partage avec la communauté et vous saurez quels objets placer pour monter votre bonus de confort. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Bradani et je vous dis à la prochaine. Salut !